Nabino Peboye Bola, mon édition, il y a samedi 14 octobre 2023, et journal Ngonga et Betty. Betty, Batambo, la qui, pour Napolou Capé, pour Napolam Belabino, Maé, Napoufi Sabino, Namoa Ngonga Moke. Tata Mokonzi Kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé allègement topé bolembisi pe bolongoli ya ba mesure mususu o ezalaki na état de siège simanaye ko étudier profondément topé na bozindo nyonso ba mesure topé ba résolution oyo e bimaki sima table ronde ya évaluation ya état de siège e outaki bongo ko salema kasi na ba résolution na topé na ba mesure oyo azui et single ko ba été ba gouverneur ya Ituri pe ya Nord Kivu ba province mibale ezali na état de siège etikali kaka na bokambami ya ba militaire bolanda. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les trois commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège, avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège, d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel, au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émolument des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieuses électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Porte-parole du gouvernement congolais, moi, Mboka Patrick Muyaya, ministre de la Communication, pe media ye a Betsaki Ngonga Bongo na briefing oyo azalaki nango mikolo miliki ete massacre oyo ezali ko belama partout ete ba wazalendo bazali ko buma bongo batuti ezali bongo stratégie ya Rwanda oyo amesana kosala soki ya moni ete azali ko kokalisusu etumba te ye
soki akomi koloba boye azali bongo pre ya kobuma bande konaye batuti pona kokosela bongo ba adversaire to pe bato yo bazali bongo kobundisa ye pona ndaye baboke binyos na komona kandenge bazali ko pakata mangu kuna na front na ba frappe ko uta na ba wazalendo ba 123 ba komi ko belela na massacre ya ba utu Kouta epa ya ba wazalendo na batako bazali ko sala pe sima na bango ko récupérer ba territoire oyo ba M23 bazala ki ko occuper nzoka nde gouvernement congolais et si etimbela ke ezali stratégie ya Rwanda oyo ezali bongo tata ya ba M23 amesana ko sala soki amoni ete akomi contre mir na bitumba bango bazalaka soki bamoni ete bazako ko kalisu sute ba bomaka bande ko na bango batuti po malati sayango na mitu ya bato Nyoso oyo poete communauté internationale eyo ke la bango mawa eya kokote la bango porte-parole ya gouvernement congolais mwana mboka Patrick Muyaya ye a talisaki na briefing oyo utaki ko sala mikolo mileki ete stratégie ya Rwanda mbala oyo eko simba te ezali baje na bango boyo kaye ndenge ya betsaki ngonga c'est les pyromanes qui crient aux sapeurs-pompiers parce que ceux qui parlent de massacre de la communauté Tutsi c'est les Rwandais On a vu tous un renfort médiatique avec leur armée numérique. Généralement, quand ils procèdent comme ça, c'est parce qu'eux, ils ont prévu de commettre de massacres, le faire porter sur le jeune patriote et trouver un prétexte pour intervenir. Nous connaissons les modus operandi. Je rappelle ce que j'avais dit hier et qui doit être bien noté. C'est que toutes les communautés congolaises sont meurtries par ce qui se passe. Nous avions une fois... avec mon collègue Alexis Guissaro, ici, parler de cette question. Et donc, la stratégie rwandaise, c'est justement une stratégie de stigmatisation de cette communauté pour qu'ils s'en servent, comme ils ont l'habitude de s'en servir depuis une trentaine d'années. Mais ces narratifs étaient narratifs d'une autre époque. Aujourd'hui, nous notons leur désarroi face justement à cette action menés par nos jeunes compatriotes et ils font de leur mieux justement pour chercher un prétexte quoi qu'il en soit pour nous diaboliser etc. La question elle est bien comprise et comptez sur nous vous savez que nous sommes sur différents fronts pour que la question puisse être résolue. Gonga Ebeti Kodem po yi président ya assemblée provinciale ya Kinshasa oyo ba député provinciaux ya capitale ba utaki bongo kotia ye na mise en accusation et longona kester na ye papi Mpiana ye a se présenta ki mokolo ya samedi 14 octobre 2023 na hémicycle ya assemblée provinciale ya Kinshasa na commune ya Gombe kasi ayaki na arsenal to pena et tuluku ya ba policier oyo ba yaki na mituka pe ba kangaki manzila moto alekate moto akotate kaka golden poi ye moko eloko oyo e se pelisaki ba député provinciaux ata mokete pas pambate bango pe bazalaki empêcher ba koka bongo kokota na esika na bango ya mosala mwana mboka Jean Désiré Mbondi wa Mbondi abeti ngonga mbote na bino kinoze kina bozala kimya godin po ya zongeli mosala na ete et puis ana zongeli mosala na ete soki azonga ka mosala nda yaki ye moko akoti normalement mais bota la bino moko ki gangsterisme ayena ba policier Ce qui 200 policiers n'a pas mis tout cas moto, mais un moto, colobaké, du cambozali. Ce qui a eu à Zali Kambouta, quoi, la police pour l'anim, peut-être que tout n'a pas niango à tiba policier à l'état pour n'a combattre la moto oyo, ma cambouya ma bé, ni solo ya assemblée provinciale, ya zoli à yango. N'a niango de tindre la police va battre la y, et c'est n'est tout Bokolanda bolai ya lisolo tozalaki na yango na mwana mboka Jean Désiré Mbondi wa Mbondi concernant likambo oyo ezali koleka na APK na suka ya mananka na biso ya lelo na rubrique na biso mopa ya ngonga wapi atalisi na bozindo pe na bolai nyonso nini ezali koleka kuna na APK 14 octobre 1930 14 octobre 2023 mokolo na mokolo Maréchal Mobutu alingaki bongo kokokisa 93 ans d'âge soki azalaki na bomoi pambate ye a butama bongo le 14 octobre 1930
30 na Lissala, na ex-province, il y a Équateur. Sengel Koeba était na Tango à Zaïre, le 14 octobre, et Zalaki, journée, il y a jeunesse. Moi, la boka, Richard Molongia, moko ya baka dans le mouvement de libération du Congo, yé abeti singonga pona kwa annonce bongo, boke litope création Asbel, babengi, bayaya, o ezali bongo, pona ko soutenir, pe ko landela, ba action ya tata mokondi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pona bolamo, ya baimboka Congo démocratique. Boyokai. Eza esengomingi, il faut te rappeler na bande konyo sur Congo, que Ndeko na biso aza na pouvoir actuellement. Moi na mboka, président na biso, Félix Tshisekedi. Mouli Monsanto et Kambaki et Makasi. Félix a le pouvoir. Pouvoir n'est l'andi Félix Tshisekedi. Biso n'est surtout na IDPS kuna. Tozaki na ye, ndenge na koloba koyo kama. Papa nde moto, bandeki bazwa pouvoir, a le pouvoir. Mais papa akei. Mais pouvoir est l'andi ndeko wana po, nzamba tali mote manaye. Les gens ne m'ont pas emboli, au-delà de toute considération aux couleurs politiques, au-delà de considérations provinciales, ethniques, tribales, vous trouverez les Bayaya. Et c'est le Congo qui gagne. Et le premier de Yaya, Yohana, mon amboka Félix Tshisekedi. Tout ça, c'est malade. Et moi, là, quand la mingite, sorti à Asbel, Nabiswana et Kobima, il y a l'issanga, il y a Bayaya. Bayaya, Bazan, Kishasa, Bayaya, Kishasa, Bazali. Bissou, Bao, par exemple, Yemoko Félix, Yaya Liboso. Ozu Bemba, Yaya Nibale. Ozupe biso na bande comme sutrozo bazali bayaya bazali bele même de kona biso wa bunginzela Fayul Martin Fayul azayaya to ko récupérer azayaya to récupérer yambo ko sugisa na tiki bino na maboko ya page promotionnelle ya ngonga ebeti. Il est le bourgeois pour voir l'oposo. Si manaye ko uta mikilia potepe ya Afrika, réparateur ya l'oposo, docteur esthéticien Guilain le bourgeois nzambe ya l'oposo, a zongi na mboka ya bakoko na ye République démocratique du Congo, pour na kopé sa solution na ba problème ya ba po ya ba congolais. Pambate ba congolais ba nyokwami na batu lokuta, oyo bazali ko sale la image ya docteur Guilain le bourgeois pour na kolia ba ngombongo. Bino baye bozali na problème ya l'oposo, ndakisa cancer, nduta, makwanza, ba bouton, teinture et vanda kate, olingi okoma na taille oyo esengeli. Adresse ezali se moko, chez docteur Guilain le bourgeois, réparateur ya l'oposo. Boyo kaye moko ndenge abeti singonga. Na Brazzaville, naza l'adresse ezali rekoni. Ribateke, numéro 43, na Potopoto, avenue de la paix, à Ribateke. Naza na Kinshasa, na pont ya Mayangil, en face à Régie des Eaux, naza na Betani, ba na Congo, na Longwe na Betani, na komisko na pont ya Mayangil, en face à Régie des Eaux, oleki église à Shekida, likolo ya pont ya Mayangil, o komi wana, o se renseigne au Tuni, na lupongo na kabanzete bele bele, ba komisko ke non cabinet docteur Guilain le bourgeois yango. Et suki wana te naza na Matadi, à Réchik Chik, côté en Voidou. Bana matadi bana kino mokena matadi mibo mona kabila docteur Guilain le bourgeois tina matadi tina boma tina mwanda et suki wana te nazali na Luanda ville na Angola na mboka na Angola na nganda mama Monique na Marte na ville oyo Angola on retrouve docteur Guilain le bourgeois na kabinet na ye bana Angola mobimba ye biango et suki wana te nazana kabinda Tadi Naza international, na Lubumbashi pe Naza na Kamalondo. Docteur Guilain le bourgeois na partout.
Bokokuta cabinet à Docteur Guilain le Bourgeois sur boulevard Lumumba na Pont et Rivière Njili en face à régie des zones à commune ya Matete. Na Brazzaville, Riba Teke numéro 43, commune Potopoto, Aré Bateke. Topé Bobenga na ma numéro Oyo, Gonga et Betty. Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposé. Ndenge na kaki bino na bandeli ya mandaka na biso ete na rubrique na biso mopa ya ngonga toko ya mbabongo mwana mboka Jean Désiré Mbondi ya Mbondi député provincial élu ya limité ye abeti ngonga kolandisa mana oyo ezali koleka na assemblée provinciale ya Kinshasa wapi azali kobelela sabotage ya règlement d'ordre intérieur ya assemblée provinciale ya Kinshasa na niveau ya cour d'appel ya Gombe tina wana apeleli na tata mokonzi oyo azali bon koluka justice ezonga na nzela akoka kotala likambo yango boyo kaina bokebi news mbala eleki muse Kabila atiaka 315 magistrats na retraite alongola ka bango na mosala wana problème monnaie na mboka na biso yango wana lobby au président de la République à l'obati azan a souci ma casse la justice na biso lobby vendredi pa banda ki ko samba yango Godin Poina et Piana, Bangoumi Balé. Assemblée, APK et Sali, jamais motion à déchéance. Motion à déchéance et Zali, ten assemblée, tout Sali en goté. Et l'autre, Salemi et Zali, mise en accusation. Bango, Bayibi, Moussolo à l'État. Balé Mbongo, y a ba député. Balé Mbongo, y a salaire, y a député. Il y a ma personnel. Il y a ya kotonga ndako si ma bâtiment a mis balé dans l'assemblée. Ba député balobi boye. Mise en accusation, na poursuite et mise en accusation. Koloba ete, ba kende l'État, ba zouzi, ba sambi sa bango pour ba député basé ba zouzi te. Et non, quand il y a un mais tout le moi, ba avocat. Na yemoko Godin Poi. Na baji joyo basali arre oyo. Arre wana to yebi angote na asamble. Lobby ba avoka na biso ya asamble ba tourni bango ba ribo. Ba la kisabino mokanda oyo ya déchéance. Ezali wapi. Résolution ya déchéance mokanda ango ezali wapi. Ba la kisite. Ba avoka ya poi. Ba la kisi angote. Ba zala kina angote. Po ezate. Mais arrêt au bail Kobimisa et outi wapi. Dossier wana assemblée professeur a yébi en hôte déchéance ya Godin Poi. Na et piana assemblée a sali en hôte. Assemblée a salinde mise poursuite et mise en accusation. Moyen de défense va pèse à Kayango pour la déchéance. Mais mise en accusation, moyen de défense va pèse à Kayango na bazouzi. Kuna la justice. Mais tu vois, comme on a avocat, il y a wapi. Je ne sais pas si je suis un wapi. Godin Poi, professeur, il y a une différence entre motion à résolution à déchéance et résolution à mise en accusation. Et ça, je suis un peu plus de mise en accusation, c'est ali le cas de Godin Poi et de Bazawana. Bazal ici, le président a question de Moussa Labangwana ici, pour l'équipe 24 heures. C'est fini, c'est consommé. Ils ne sont plus respectivement président et l'autre n'est plus questeur. Bissou Sukoto, Zélandais, procureur dans la cour de cassation, pour la Godin Poi, procureur dans la cour d'appel, pour la Epiana, va notifier Bissou, tout le monde a une immunité. Pour que Sam Bissabango, dans Maïma Somaza Koloba, ou les talibans, ou les Mabok Milaï, dans Missolo et Assemblée. Oh, Babimissi, dans la cour d'appel à Gombe, tout est bien noté. Bisoto sali jamais mise à ni à déchéance na bango sali mité na assemblée na bisoté. Loba bazana na assemblée mosusu, bazana na peka mosusu na makanisi na bango. Mais on ya biso boye to sali yango te. Ba komi na kati na yango. Pour la procédure ni résolution à déchéance, ça ne concerne pas la mise en accusation. C'est clair. Ba lobi ba fundi yo pour na kuswana. Ok,
yo soit na quitté yo yebike yo pe olobi na bangonde ke babi malanda ko na yo yo sengi locataire ga mosute abi makaya na ndako mais ya ke ko funda kuna lobo yo na yebo soit na ki c'est différent mais c'est tellement grave. Moto a tindi ba policier na assemblée provinciale à Kinshasa ba accompagner Godin Poli biso ba député qui sera tout ko tika yete to ko yeba ye pe sengeli mo konja mboka yeba mutu wana nani Godin Poli azali mis en justice azali ko kende to traduire na justice mise en accusation et poursuite pour malversation financière na assemblée. Moto la tindi ba policier ba ko kote sa Godin Poli na assemblée moto wana donc il a de défendre Moïse na ye à de défendre malvision financière y a Godin Poli moto wana il faut to ye ba ye qui qu'il soit aye ko sala nini na assemblée mbalele ki ayaka na ba tomo ko ni tano soki banganga soki banani ba ka ko sala ba kisi na kakata assemblée na butu yango lelo moto tindi ba policier ba empêcher ba député va empêcher bah agent bah fonctionnaire bah journaliste bah côte en assemblée té kaka Godin Poli moka côte tabini nani atindi bah policier tata ça c'est un problème grave pour que même yango té pas chef de l'état to zali ko luka audience c'est pas un chef de l'état moto nyonso o akoko soit il s'habille son audience wana to comment un chef de l'état pour ça moto a déployé bah policier pour na ko saboter toute une institution au profit il y a un certain monsieur, un seul monsieur, où ils ont accusé la malversation financière. La police nationale à sa disposition. Mais ça, c'est grave, ça. Non, on n'avait pas plénière aujourd'hui expressément, mais nous avons des travaux qui se font là-bas. On nous a empêchés, personnel administratif, va empêcher Bango. Nous, toi, Tindi Bango, sur quel arrêt? Parce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a jamais pris une action, une résolution de déchéance. Il y a Godin Poli, il y a Epiana, Assemblée provinciale, à Yébi, à Ngote. Même ce que Tangi a réuni, avocat, il y a il n'y a rien dedans. L'objet n'a plaidoirie, bah, l'objet qui polele, bah, tout n'a pas avocat à Godin Poli. Ou à pi arrêt. Pour justice, il y a la preuve. Arrêt, en gros, ils Bongo bango ba jijoana ba kati likambo sur base de quoi? Ça c'est un yami balé nano avocat nabiso akotisa ki ba plaidoirie pour ezala kabusinzi ko samba ba kopé sabino quelques heures to une journée to 48 heures selon la loi boya kotika bo déposer ba texte nabino ya plaidoirie et ça limité 17 heures paf, babimisi a rien à Bangoana. Mais ce n'est pas possible. Ce qui est une cour d'appel est comme ça, la porte-porte à Yabouye. Mais il y a ni de Kozala. Bangoane Bazali chargé que tu as la contentieux électoraux. Mais ça sera grave. Ah non, non, chef de l'État, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chef de l'État. Tout sengi na yo makambomi balé. Moto oyo akamati ba policier à Tibango au service d'un individu qui s'appelle Godin Poli. Ayako terroriser une institution de la capitale. Assemblée provinciale de Kinshasa. Moto yo atindi ba policier, chef de l'État, s'il vous plaît. Il faut une sanction exemplaire. Mais c'est grave. Beaucoup brader institution mobimba pour un individu. Yami Balé, chef de l'État, s'il vous plaît. Cette cour d'appel de la Gombe. C'est à sa deuxième forfaiture. L'APK n'a jamais introduit, n'a jamais signifié Godin Poli et Piana sur une quelconque résolution, il y a déchéance. Ça n'existe pas. Les avocats de Godin Poli n'en ont pas. Godin Poli n'en a pas. Et Piana, avec ses avocats, n'en ont pas. Mais comment on peut statuer sur quelque chose qui n'existe pas? Mais c'est grave ça. C'est tellement grave. Et puis, célérité, vitesse, oh, bah, ça, liango. Sans respecter, alors que, nakati audience, juge, avocat, y a APK, Sengaki, que, tout statué sur le banc. Juge président, Boya, lobby, non, non.
Tokosala dans le délai de la loi. Délai de la loi, c'est la huitaine. Mais coca moi, to pesi mon Congo toke, si manabiso, bakamati are babinisi, godin poya kiwana. Sur place kozoa ango, na ba 18h-17h. Donc, ton zimi si ko maloba godin poye mbaka partout. Alobaka partout. Que justice ya kisa sa ma bok on aye. Alobaka yango yobaka ba député bili. Yango to moni yango lobi. Alo baka lisusu ke ni konzignon son régime bwe. Baza batonaye. Yango to moni yango lobi. C'est grave. Un règlement intérieur et assemblée professeur à Kinshasa est allé validé par la Cour constitutionnelle. Un barène à Ezaka irrévocable. C'est tellement grave qu'une cour d'appel s'amuse à répétition. Il y a qu'à saboter un texte réglementaire d'État. C'est très grave. Alors, très grave en plein capital. Et à la veille des élections, qu'est-ce qu'on donne comme signal? Signal nini, à cour d'appel à Gombezon, pèse ça, dans l'opinion. Pour statuer sur la contention électorale. Signal nini, pèse ça. Qui est Godin Poy? Pour aller à coexiger, il meurt, il court l'andayango. Il y a un sonni. Et c'est tellement grave. Alors, très grave. La police nationale, Mbongo, il y a un contribuable congolais. Vous prenez près de 200 éléments. Mais tout cas, il y a la police nationale qui a donné cet ordre. Ma policier va se déployer au service de celui qui est mis en cause dans la gestion de Godin Poy. Il y a une assemblée, une APK, mais c'est grave ça. On est dans quel pays? L'état de droit promu par les chefs de l'État, ils allaient bafouer ce samedi 14 octobre 2023 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Moto Oyo a ordonné déploiement à la police. On doit l'identifier et il doit être sanctionné. Ça, c'est un abus du pouvoir. Toutes les autorités de Kinshasa, les autorités judiciaires, ils vivent en live la liberté d'action à Godin Poy à Kinshasa. Qui atteste que Aza maladité. Mais comment ne fiche que par respect de la clameur publique, respect de l'opinion, ne fiche que ça. Comment n'a que Tata Lokuta et l'équipe monène. Non, les gens croient la justice se met de son côté. C'est grave. Alors, qui n'a pas besoin d'un bon coïncidé? L'Assemblée provinciale ne doit plus exister, c'est Godin Poy et Piana qui doivent exister. Bah, Mbongo on a bateau, c'est normal, on doit les protéger. Alors nous allons croire que Mbongo a capé sa bateau, va les protéger. Ça, c'est finalement, on va croire comme ça. Aïe Mbongo on a bateau. Aïe Mbongo, salaire, il y a un député pendant une année, Mike Moukebay. A Kamati Mbongo, il y a assemblée. A eu crédit pendant ton bâtiment. Aïe Mbongo, on a. Crédit véhicule. Monsieur, c'est pas député. Toujours à Banyongo près de la banque à cause d'un crédit au Sénégal qui est là depuis 2 ans. Nous avons Kabango, bah voulu un bon abisso. Mbongo abisso et où t'as le gouvernement central enveloppe ou ana bango bazako lia yango n'engue balingi. Tout Sénégal yango hyper fisc est hyper. Balobi bah fouta bah kaka abisso nous avons Kabah fouta kate. Aujourd'hui na DGI toujours na Ninoana na litige ouana. Mais des criminels financiers comme ça. Des gestionnaires pillards comme ça. On les met en justice, en accusation. Il y a des Congolais, autorités qu'elles soient, qui vont défendre Bango, qui couvrir Bango, jusqu'à Kokamata, à la police nationale, à son service. Il y a une assemblée, à Zolo, qui est en à Kenda. Et c'est suspect. Pour que ça, un avocat, il y a un élément. Et là, on a mis Godin pour Ayaki Kozoa. Et bah, déployer toute la police nationale, bah, empêcher, et à la même les petits agents, l'huissier, tout le monde, Godin pour Ayaki Kozoa, la Nimi. Et Moto, où il a déployé la police, c'est qui? Il y a un ami à déployer la police nationale pour servir la cause d'un individu qui est Godin pour. Soki Bongo, Bissoba député provincial, Yosaki Kinshasa, tout le cas. Godin Poyna et Piana, Bango mi balé ba kende kena hémicycle. Bato ba kimi assemblée.
ils se sont tapés des vacances anticipées jusqu'à décembre. Pe bakamati basali ba OP près de 25 OP ba tindi na ba banque mbongo bima. Sachant que décembre vous allez fin de la fin à mandat. Mais il y a des gens qui se disent responsables de ce pays qui soutiennent ça. Et ça, nous allons faire une déclaration claire, tous les députés, et dénoncer Naba Kombo Toyo qui va nous soutenir Godé Poy pour faire la, pour cacher, couvrir toute la saleté qu'il a commise au sein de l'Assemblée. Donc, si vous avez le pouvoir, vous allez défendre des malfrats, vous allez défendre les pillards. Bon, on a qui ça, quinoise et quinois. Makele le boyoka qui a pamba pamba makele a wenze. Nyonso lokuta. Godin poina et piana. Bazali réhabilité te. Arrêt oyo. Bomoni. Ezali arrêt yamayuya. Ezali ya solote. Polikambo bakomina arrêt. Apeka yebi angote. Apeka satindi bango ba ki ne ko justifiende. Moyibi na bango. Mbango ya ba député. Na ba personnel bango baza ko liya. Godin poi na epiana bazali réhabilité te arrêt lobi ango te o ba bengi na terme judiciaire ni noana ezali ya ADD avant dire droit, c'est-à-dire likambo ezali bakoko bakosamba yango sima mbote na bino kinoze kinaboza la kimia Godin poi azongeli musala na ete epiana azongeli musala na ete soki azonga ka musala nde ayaki ye moko akoti normalement. Mais bon, ça, la bino moko, qui gangsterisme, aye na ba policier, so qui 200 policiers, na ba mituka ya moto, ko ya ma ya moto, ko lo ba ke li kambo zali. So qui azali li kambo te, na ba policier pon anini. Pe to ka ko tuna. Na niango ati ba policier ya l'eta, pon na ko bate la moto oyo, ma kambo ya ma be, ni solo ya assemblée provinciale, ya azo li ya yango. Nani angazo tindele ba polisi ba bate la hii. Isenge ito eba. Awa ndena jundi ngisa ya kusukisa edition ya samedi 14 octobre 2023. Soki bo sepela ki, senge bo eba ete zaki na bukasi ya mwana mboka. Patrick Lusala, oya zaki kisima ya kamera. Mwana mboka, Teddy Agwanande, asimba ki montage pe régie finale asimba maki. Na mwana mboka, Samson Ilunga. Mokolo, ya dimanche, à partir ya 18h30 de Bolandi, rediffusion, ya manaka na biso, ya lelo kasi. Na 6h30, na tongo deja, Bokolanda yango lisusu. Mokolo, ya lundi, na 6h, lokola, Bokolanda lisusu, rediffusion, ya journal Ngunga Ebeti. Pena pokwa, Bokokuta nana, nifika na mboma, pona kopi sabino, basango ya sika oyo, tokolengela na mokolo yango. Boboto, oma vota mabino.